Salut tout le monde, c'est Monsieur Exosegamac.com, accompagné des Miss SK, et aujourd'hui le jeu qui va être testé, ça va être un jeu sur Mega Drive. Le titre qui va être testé, à moins que vous aimiez le japonais, à moins que vous sachiez lire le japonais, ça va être Power Instinct. Alors pourquoi j'ai dit le titre en japonais? Car tout simplement parce que Power Instinct sur Mega Drive, c'est le jeu, c'est le type de jeu qui n'est jamais sorti en dehors du Japon, qui malheureusement est resté uniquement que sur le territoire japonais, qui n'aura pas eu d'adaptation pour la Mega Drive, que ce soit sur le territoire américain et encore moins sur le territoire européen. Donc avant de continuer un peu plus sur la version Mega Drive, je vais revenir un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière par rapport à Atlus. Alors puisque Atlus est la société qui a créé Power Instinct. Alors Atlus, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien c'est une société de jeux vidéo de nationalité japonaise qui existe depuis 1986. Donc c'est une ancienne boîte qui n'est pas, c'est pas une boîte de débutants auquel on a pu voir par exemple qui date des boîtes qui datent depuis 2000 ou bien de 2010. Non, là c'est vraiment Atlus date de 86. Actuellement, les fans de jeux japonais vont sûrement penser tout de suite à une série de jeux vraiment RPG japonais qui s'appelle Shin Megami Tensei. Bien que je n'ai pas fait plus de recherches par rapport à la licence en elle-même, j'ai juste fait assez de recherches par rapport à Atlus, puisque cette dernière a fait l'actualité, notamment en 2013, par rapport à son rachat, puisque Atlus bien était, on va dire, en situation auquel elle ne pouvait plus vraiment dépendre d'elle-même, et elle était obligée de se faire racheter par une autre boîte pour pouvoir continuer à exister. Donc Atlus avait été connu à l'époque pour avoir les séries par rapport à la série des Trauma Center, Shin Megami Tensei. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi? Le jeu Catherine aussi, puisque c'était fait par la boîte. Et enfin Power Instinct, qui est une des plus anciennes licences et qui après au fil du temps de la licence en elle-même a changé de nom au point de se faire appeler Goketsuji Ishizoku. Donc les filles, je vous laisse dire via le texte comment on le prononce, hein. Alors allez-y les filles, je vous laisse. Voilà. Donc maintenant que vous savez comment le prononcer, parce que ça a été un petit peu difficile, oui, je me suis entraîné à pouvoir bien le prononcer correctement. Donc Power Instinct, c'est une série de jeux de combat qui avait commencé à apparaître en 1993 sur bande d'arcade. Alors, merde, ce que je fous, qui avait été fait par Atlus. Donc Atlus, oui, pour revenir vite à Atlus vite fait, parce que là je voulais me relancer dans le jeu. Donc Atlus avait subi plusieurs achats notamment à partir des années 2000. Donc s'était fait racheter en 2003 puis par Takara, puis se fait racheter en 2006 par Index Holding. Ensuite en 2010, son Index Holding annonce qu'en fait Atlus ne sera plus du tout indépendant et sera sous le contrôle direct d'Index Holding. Et puis après on a Sega Sammy qui est en 2013 a officialisé le rachat par rapport à Atlus, puisque elle a rajouté un communiqué en disant que Atlus retrouverait son indépendance ainsi que son personnel, parce que à l'époque tout le monde se posait la question du fait que si Atlus se fait racheter de nouveau, est-ce qu'elle gardera son indépendance ou est-ce que ce sera sous le contrôle direct de la boîte qui la rachètera? Quand les gens ont su que c'était Sega, ben, ils se sont dit oh merde, j'espère que putain pourquoi Sega? Parce que bon, c'était les détracteurs, hein, c'est bien connu. Alors, tout le monde n'arrête pas de dire que Sega c'est de la merde, mais quand on voit la plupart des licences de Sega, on se dit non, c'est pas forcément de la merde, hein. C'est juste une bande de gros cons qui ne supportent pas de voir que Sega puisse encore exister. Donc là, au moment où Sega avait annoncé son rachat, puisqu'ils avaient changé de nom le temps de confirmer à tout, le temps de finir les détails, c'était fait racheter, je crois, Sega Dream ou quelque chose comme ça. Et voilà, la question à ce moment-là que les gens se posaient, c'est que est-ce que Sega va laisser l'indépendance à Atlus ou pas? Donc quand Sega a fait un communiqué en disant oui, Atlus gardera son indépendance, mais sera toujours sous le contrôle, gardera toujours le fait que la société mère d'Atlus, ben, ce sera Sega Sammy. Donc ça rassurait les fans d'Atlus et les Sega fans aussi par la même occasion. Comme ça, voilà, l'affaire est réglée. Donc à ce jour, en 2014, au moment où ce test est enregistré, nous sommes en 2014, et Atlus garde son indépendance par rapport à Sega.
Donc, pour revenir à Power Instinct, qui est une licence de jeu de combat versus fighting, c'est une licence qui était sortie en 1993 sur bande d'arcade, qui a rencontré un fort succès, puisque son univers en lui-même faisait en sorte que c'était un univers qui ne se prenait pas trop au sérieux. Certains, même des personnages en question, étaient même des parodies de personnages déjà existants sur d'autres licences. Par exemple, le personnage qui avait le pantalon blanc, donc Reiji Oyama, ou... Bref, je sais plus le nom en question, avait en fait été une parodie de Ryu de Street Fighter, puisque déjà, il reprenait la pose en question, voilà, comme on peut le voir, hein, il reprenait la même pose de combat. Il avait le Shoryuken, donc le poing du dragon, hein, que Ryu faisait en faisant Shoryuken. Et donc le personnage qui lui parodie, ben, en fait, a fait à peu près pareil. On a aussi le coup du Hadouken, donc le personnage qui peut le faire, donc avec un seul bras. On a aussi des personnages un petit peu particuliers, donc là une mamie qui va se battre, Otane Koketsuji, donc c'est un petit peu bizarre de voir une mamie se battre dans un jeu de combat. Et puis quand on la voit en train de balancer son dentier, là, comme elle vient de le faire, donc on voit tout de suite que Power Rangers n'est pas une licence à prendre vraiment premier degré. C'est une licence qu'il faut vraiment prendre au second degré, donc c'est un jeu de combat à tendance humoristique, hein. D'ailleurs, c'est ce qui lui permettra de se différencier par rapport à Street Fighter 2 et à Street Fighter et Mortal Kombat par la suite. Donc, on a eu des adaptations sur Super Nintendo, sur Mega Drive, en plus de la bande d'arcade. Il y a eu aussi une suite à Power Instinct 2 qui était sortie sur bande d'arcade et sur PlayStation les années suivantes. Et la licence a continué à exister, mais sous le nom de Gokketsuchi Ichizoku, donc le nom japonais. La version Mega Drive, vous allez voir que en fait c'est une version un petit peu spéciale, puisque c'est une version qui n'est restée uniquement qu'au Japon. On n'aura pas eu d'adaptation, on n'aura pas eu de version Mega Drive, on n'aura pas eu de sortie Mega Drive par rapport aux États-Unis, encore moins en Europe. Alors peut-être sur Super Nintendo. Alors quand j'ai fait des recherches, il s'avère qu'apparemment le jeu est sorti sur Super Nintendo dans le continent américain et européen, en plus du Japon. Mais pour la version de Sega, eh ben, malheureusement, il faudra faire de l'import. Si vous voulez profiter de Power Rangers sur Mega Drive, eh il faudra malheureusement faire de l'import, hein. Donc après, résultat, j'avais précisé, ça se prenait pas trop au sérieux, des personnages qui étaient un petit peu parodiques par rapport aux coups spéciaux et tout. Donc on va commencer la partie. Donc résultat, hop, on voit toujours la petite intro en japonais. Alors, l'histoire en fait du jeu, avant de faire par rapport au mode, c'est un tournoi qui a été lancé, et le boss final, comme on a pu voir, la tête d'une mamie, en fait, le boss final, c'est la mamie qu'on a pu voir dans un démo en train de se battre contre une jolie jeune fille, mais avec sous des couleurs différentes. Mais en fait, l'histoire, c'est tout simplement deux sœurs jumelles, donc qui ont les mêmes capacités, puisque ce sont des métahumaines, qui ont la capacité de se rajeunir en faisant un petit bisou sur la bouche ou sur le visage de l'adversaire, et pendant un certain temps, eh bien, elles deviennent des très jolies jeunes filles. Une des deux sœurs jumelles a remporté un tournoi et est devenue la chef du clan Koketsuchi, tandis que le personnage jouable qu'on va faire Otane Ume Koketsuchi, eh bien, en fait, c'est l'autre sœur jumelle qui veut se venger de la sœur de sa première sœur, et c'est pour ça qu'elle participe au tournoi. Donc voilà, c'est pour le tournoi qui a été l'histoire du tournoi. En fait, c'est l'enjeu, c'est le contrôle d'un clan, le clan Gogetsushi. C'est pour ça qu'en plus de la mamie, on va voir d'autres personnages qui vont apparaître, que pour diverses raisons, que ce soit pour retrouver un autre personnage, que ce soit pour récupérer le pouvoir, que ce soit pour détruire justement ça. Bref, voilà, chaque personnage va avoir ses propres versions, tandis que la mamie, c'est juste une histoire de vengeance par rapport à sa première sœur jumelle. Donc, alors au niveau des options, au niveau des modes, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que la version Mega Drive, vous allez voir que la version Mega Drive est peut-être restée connue au Japon, mais c'est une version quand même assez bien garnie, hein. Alors, le mode story, donc c'est le mode story, c'est le mode un joueur auquel on sélectionne un des 8 personnages du prédisponible du jeu. Alors, je tiens quand même à préciser que la petite mamie, en fait, dans le jeu en question, a la possibilité de rajeunir et d'être un deuxième personnage. Donc, en fait, quand on prend la mamie, on aura la possibilité de jouer deux personnages en un seul. Voilà. Le gameplay va être un petit peu différent entre quand elle est vieille et quand elle est très jeune. Donc le mode story, qu'est-ce que l'on a? Les 8 personnages jouables, donc une manette à 6 boutons, est obligatoire. Le mode story, donc vous sélectionnez un personnage et après vous combattez tous les autres personnages du jeu, ainsi qu'un double de vous-même, pour pouvoir finalement après voir la fin du jeu.
Ensuite, le mode versus. Le mode versus, c'est le mode 2 joueurs, c'est-à-dire tout simplement le joueur 1 qui va affronter le joueur 2, contrairement au mode story auquel c'était un seul joueur contre l'ordinateur. Bien entendu, là, le deuxième joueur peut apparaître dans le mode story juste pour le temps d'un match, histoire de troller le premier joueur qui est en train de faire l'histoire. Ensuite, le Battle Royale. En fait, le Battle Royale, c'est contrairement à ce que son titre pourrait penser, le Battle Royale, en fait, c'est le Team Battle Mode. C'est-à-dire, tout simplement, vous sélectionnez un... Vous êtes le joueur 1, ou l'équipe 1, ou l'équipe 2. Vous sélectionnez le nombre de personnes, de personnages que votre équipe va être composée, de 1 jusqu'à 8. Et une fois que vous avez fait une fois que vous avez fait... vous avez choisi le nombre de personnages que votre équipe va être composé, et ben il ne vous restera plus qu'à sélectionner les personnages en question. Ouais, c'est très sympa, je trouve, pour une version Mega Drive. D'ailleurs, j'en ai pas vu ça. On l'a pas vu, par exemple, à Street Fighter ou à Mortal Kombat, parce que je dis toujours ces deux-là, parce que c'est toujours les deux licences les plus connues à l'époque, hein. Mais bon, après, voilà, c'est toujours des petits détails qui font que Power Instinct va rester un jeu sympa. Oui, je le dis ouvertement. Ensuite, contrairement aux autres jeux de combat auxquels on devait directement apprendre sur le tas, vous allez avoir un mode practice, donc ça va être un mode vachement utile pour pouvoir apprendre à bien manier votre personnage, que ce soit par rapport au coup, par rapport à sa vitesse, que ce soit par rapport à ses coups de base, ses coups spéciaux et compagnie. Donc ça va être vraiment un mode très sympa et très utile pour un débutant quand il va commencer à Power Instinct. Alors oui, il y a un mode karaoké, en fait, comme c'est un jeu typiquement japonais, les japonais aiment beaucoup chanter par rapport à des musiques de jeux vidéo ou des musiques ailleurs. Donc résultat, les développeurs Atlus ont rajouté le mode karaoké qui va être jouable unique, qui va être auquel le karaoké ne pourra être faire que sur deux chansons en question, deux musiques du jeu, et on va avoir les paroles en japonais, et à moins de savoir bien chanter le japonais, bien comprendre le japonais ainsi que le chanter, et bien en fait le mode karaoké pour un joueur occidental, un joueur non japonais, et ben ça ne lui servira à rien, sauf s'il va apprendre le japonais. Donc on aura droit qu'à uniquement que deux chansons, donc une chanson auquel on va voir la chanson de Reiji Ojuma, qui est le personnage parodie de Ryu. Ensuite, l'autre chanson, en fait, ça va être par rapport à un personnage sud-américain, donc pas sud-américain, un personnage américain, donc White Buffalo. Et donc ça va être dont son terrain, c'est sa tribu d'Indiens avec les tipis et compagnie. Donc voilà, deux chansons disponibles pour le mode karaoké, certes c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même assez sympa. Et après on va voir au niveau des options. Alors au niveau des options, qu'est-ce que l'on a exactement? Eh bien nous avons déjà le niveau de difficulté, comme dans Street Fighter 2, on avait la possibilité de monter de 1 jusqu'à 8. Donc pour l'intérêt du test, oui j'ai une bouchée, c'est normal. Pour l'intérêt du test, on va mettre le jeu en mode on va mettre en niveau de difficulté normal. Ouais, c'est vrai, je prends pas trop de risques, mais juste pour l'intérêt du test, S. Ouais, je mettrai une difficulté un peu plus élevée quand j'en ferai un long play, car, parce que, bon, voilà, j'ai pas besoin de parler en même temps que je joue, alors que là, c'est plus le test du jeu en question. Donc là, pour le test, je mets en mode difficulté normal. Ensuite, au niveau du timer, donc 30 secondes, 60, 90, ou temps infini, le temps pour la durée d'un round. Ensuite, le Story Key Config. Alors, sur les recherches que j'ai pu mener, le Story Key Config, en fait, c'est par rapport au coup de base dans le mode histoire, parce que c'est marqué mode story dessus, hein, donc là, c'est du japonais, après, ça servira à rien. Donc, pour revenir en arrière, vous appuyez sur Start, hein. Donc après, le spécial Key Config, en fait, c'est par rapport aux coups spéciaux, par rapport à chacun des... Bah, une liste par rapport au... qui se trouve en dessous, voilà, la liste, machin, truc et tout, les commandes en question, donc voilà, les coups spéciaux, qu'est-ce qu'on va faire, comment ça va se passer, machin, truc et compagnie. Donc voilà, le paramétrage des coups spéciaux. Ensuite, le Power Config, alors c'est un mode, la configuration un petit peu spéciale, puisque, contrairement, comme je l'avais signalé par rapport à Otane, par rapport au personnage de la petite mamie qui pouvait se réincarner, là on va pouvoir incarner, là on va pouvoir sélectionner, on va pouvoir régler, paramétrer, voilà le terme que je cherchais,
la puissance de chacun des personnages du jeu, que ce soit par rapport à Angela Belty, Anne Hamilton, la petite mamie mais en plus jeune, le fanatique, la parodie de You, la copie d'Axel Stone de Street of Rage, l'Indien, le moine Shaolin, le ninja masqué, la catcheuse italienne, bref. On va pouvoir en fait régler la puissance de dégâts par rapport à chacun des personnages. Le point rouge, c'est pour le joueur 1, et le point bleu, c'est pour le joueur 2. Voilà, donc pour revenir au niveau du mode, en fait, il faut appuyer sur le bouton Start. Et enfin, le sound test du jeu. Voilà, y a pas besoin de photos. Donc les musiques, voilà, et enfin, les bruitages par la suite. Voilà. Ouais. Non. Parce que j'ai pas envie de prendre un de vos personnages, j'ai pas envie de vous laisser prendre un personnage à ma place. Il y a qu'un seul perso que j'arrive à manier, c'est le ninja masqué. Donc pour l'intérêt du test, je ferai un ninja masqué. Après pour long play, on en reparlera. C'est ça, si c'est pour les coups de fouet, alors sache que je vais bien adorer. Hein. Ok, bon, allez, on va commencer directement avec les critères habituels par rapport au jeu. Donc là, vous voyez, vous avez les 8 personnages disponibles, voilà, donc hop, alors une manette à 6 boutons est obligatoire, et chaque bouton, en fait, chacun des boutons, que ce soit, chacun des 6 boutons va permettre de pouvoir différencier, de donner une couleur par rapport au personnage. Alors j'appuie là sur le point moyen, et je vais avoir mon personnage qui va être extrêmement sombre, donc je crois que c'est du bleu, c'est du bleu très foncé, hein, donc ça va, c'est pas trop moche. Donc c'est mon personnage que je me dirige le plus, en fait, c'est Saizo Hattori. Alors on va commencer avec les critères habituels, donc qu'est-ce que l'on peut dire au niveau des graphismes? Bah déjà que pour une conversion arcade Mega Drive, eh bien on peut dire que le jeu s'en porte plutôt bien. D'ailleurs c'est une très très... le jeu est très beau à voir, hein, donc le jeu est très beau à regarder. Quand on voit l'animation des personnages, il y a vraiment les détails par la suite. Que ça soit par rapport à l'animation au niveau des décors, les personnages en arrière-plan, que ça soit par rapport au petit bonhomme dont on a les visages masqués. Les personnages principaux en premier plan, ils sont très bien modélisés. Hein. Non, on n'a vraiment aucun souci là-dessus. Donc voilà, c'est comme je disais, mon adversaire, celui que j'affronte, c'est la parodie de Ryu. Hein. Je sais, je souge avec ça, mais c'est pas grave. Donc voilà, l'animation est parfaitement correcte. Hein. On peut dire que Atlus a vraiment fait une très très bonne conversion, que ce soit au niveau graphisme, au niveau de ses personnages, qu'au niveau de ses décors. Alors il y a quand même quelques petites différences, il faudra noter quelques petites différences au niveau des décors par rapport entre la version arcade et la version Mega Drive. Alors pour ceux qui ont regardé la version arcade de Power Instinct, il y a deux terrains en fait que je vais prendre exemple. C'est tout simplement le terrain par exemple d'Hamilton auquel on voyait toutes les statues de bronze, auquel on avait tous les personnages qui étaient représentés dans leur pose de victoire. Et voilà, j'ai perdu. Mais bon, ça c'est plus pour vous montrer après par la suite. Hein. Donc, comme je disais, au niveau des décors, il y a eu quelques petites différences. Du fait que, par exemple, pour le terrain avec les statues en bronze... Oui, j'ai le nez bouché. Hein. Donc, pour les statues en bronze, en fait, on avait les statues en bronze de nos personnages qui étaient... les statues en bronze auxquelles on voit nos personnages dans leur pose de victoire, et bien là, pour la version Mega Drive, et bien on a nos petits bonhommes qui vont prendre la place de nos personnages, mais qui vont garder les mêmes poses de victoire. Donc voilà, on a perdu nos personnages principaux en statue pour les remplacer par les arbitres qui reprendront la pose de victoire des personnages jouables. Hein. Ensuite, on avait aussi un autre terrain aussi par rapport au fait que dans le terrain d'Angela Belty, donc qui est en fait son terrain à elle, c'est tout simplement une... C'est tout simplement auquel une ville avec que des punks, et on avait en second plan un punk qui était en train de jouer de la guitare, qui était à fond dedans dans sa musique, au point de pouvoir faire une glissade et d'apparaître à gauche comme à droite sur le terrain. Ben, sur la version Mega Drive, eh ben, le punk avec sa guitare en second plan, ben, vous pourrez carrément oublier. Hein.
Voilà, c'est pour ça. Donc, graphiquement, à part quelques incidents, quelques différences mineures entre la version console de salon et la version arcade, voilà, on peut dire que, Power Instinct, graphiquement, le jeu est très beau. Donc, c'est quand même magnifique. Hein. On n'a vraiment aucun souci là-dessus. Hein. Voilà, donc là, j'ai gagné le match, alors qu'avant, j'avais parlé pendant... J'étais pas assez concentré durant le match précédent. Hein. Donc après, au niveau des au niveau du gameplay, alors comme vous avez pu voir depuis le début, il s'agit d'un jeu de combat en 1 contre 1 qui reprend le gameplay à la Street Fighter 2, puisque comme je l'avais précisé, chaque bouton de la manette, chaque bouton des manettes va correspondre à un coup de poing, à un coup de poing ou de pied, que ce soit faible, moyen ou bien puissant. Donc voilà, on retrouve les amateurs de Street Fighter 2 vont se retrouver leur marque par rapport à Power Instinct, sachant qu'en plus le système de projection est à peu près le même, il suffit de s'approcher de l'adversaire et d'appuyer sur un bouton de paume ou de pied pour pouvoir faire en sorte de pouvoir faire une projection. Hein. Les coups spéciaux sont faciles à sortir aussi, hein, il suffit de faire vers les quarts de cercle, comme je viens de le faire avec Saizo Hattori, hein, des quarts de cercle, des coups spéciaux qui sont assez simples à sortir. Donc vraiment, au niveau du gameplay, c'est le deuxième gros point fort du titre, du fait que les commandes sont simples, les personnages répondent très bien, on n'a vraiment aucun souci là-dessus, quand on lui dit de lui donner un coup de poing ou de lui faire un coup de pied, bah là, voilà, il répond correctement. Hein. Donc voilà, au niveau du gameplay, c'est le deuxième gros point fort du jeu. Hein. Alors, comme je l'avais précisé au niveau des graphismes, vous avez vu en arrière-plan les statues en bronze qui reprennent les poses de victoire des personnages jouables. Hein. Donc c'est pour ça. On a toujours les petits bonhommes qui sont en second plan, en train de suivre à chacun nos mouvements, de crier victoire ou de pleurer, hein, suivant le résultat du match. Donc voilà, comme j'avais précisé, au niveau du gameplay, les personnages répondent correctement, les coups spéciaux sont faciles à sortir, on prend beaucoup de plaisir à retrouver, on prend beaucoup de plaisir à faire ce jeu en question. Alors, je précise aussi qu'au niveau du gameplay, vous avez vu qu'à un moment donné, on avait la possibilité d'élargir un peu plus le terrain. Là, vous allez le voir, par exemple, je vais faire en sorte de péter le puits pour élargir le terrain lui-même. Voilà, alors, ben, ça sera pas pour tout de suite. Voilà. Ben, en fait, c'est la petite mamie qui m'a directement pété le puits qui a permis justement d'élargir le terrain. Donc, Power Instinct, en fait, chaque combat va commencer avec une petite surface de terrain et dont on aura toujours la possibilité de l'agrandir en pétant à gauche comme à droite. Mais une seule fois, un obstacle, hein. Alors, suivant les terrains, ça peut être des objets mobiles, ça peut être des objets fixes, comme ça peut être des personnes, hein, notamment, je pense à la tribu indienne, ou bien par rapport au terrain des personnages, ou bien par rapport à des pneus, des puits, donc voilà, c'est vraiment les adaptations de terrain. Alors, il y a un point que j'avais oublié de préciser par rapport au niveau du gameplay, c'était par rapport aux commandes, parce que les personnages en eux-mêmes peuvent faire un double saut et ils peuvent faire une charge, que ce soit par l'avant ou par l'arrière, ce qui peut être efficace, puisque si on veut faire une charge par rapport à un coup de coude, ou alors une charge avec un coup de pied en face, ça dépend vraiment des personnages, et on a la possibilité de pouvoir faire un... on a la possibilité en fait de pouvoir faire une charge vers l'avant comme vers l'arrière en plus d'un double saut. Bah d'ailleurs je vais le faire. Ah ben ça a pas loupé hein. Ça a pas loupé. Donc c'est pour ça, quand je disais que la petite mamie, les personnages de petite mamie ont la possibilité en fait de pouvoir avoir un autre gameplay en incarnant un autre personnage. Mais bon, en général, elle a plutôt ce type de personnage en fait ne dure pas longtemps. C'est pour ça qu'il faut faire une manipulation spéciale. Voilà, la petite mamie ne peut pas balancer son dentier quand elle est toute jeune. Hein. Donc c'est pour ça que quand je disais que la petite mamie faisait deux personnages en un, bah en fait vous avez un exemple parfait. Et bah le boss final c'est elle mais sous une autre couleur et en fait il s'avérera que c'est la sœur jumelle de celle qu'on a comme adversaire actuellement. Hein.
Donc après, au niveau de la bande son, alors la bande son, c'est un petit peu, c'est là où je vais m'attarder un petit peu plus aussi, parce que ça va être considéré un petit peu comme le point faible du titre en question. Pourquoi je dis ça? Parce que toutes les musiques ne sont pas forcément bonnes à écouter par rapport au chipset audio de la Mega Drive, puisque certains terrains vont être très difficiles à pouvoir écouter, tandis que d'autres seront extrêmement agréables pour nos oreilles. Hein. Alors le terrain particulier auquel je voulais faire mention, car c'était par rapport au terrain de l'Indien, donc by White Buffalo, qui se trouve carrément tout au nord, là, entre les deux croix sur le terrain. Autant la musique, autant son thème dans la version arcade, c'était très bien et tout, mais autant dans la version Mega Drive, c'est... C'est franchement pas agréable à écouter, hein. Alors que là, pour les autres terrains, pas tous, hein, parce qu'il y a encore d'autres terrains qui ont de certaines musiques qui ne peuvent pas être forcément agréables à écouter. Mais voilà, c'est tout ça pour dire que au niveau de la bande son, les musiques, suivant les terrains, certaines musiques sont agréables à écouter, tandis que d'autres, ben, elles sont pratiquement moches. Hein. Après, au niveau des bruitages, pareil, par rapport au chipset audio de la Mega Drive, on aura du mieux que l'on peut. Atlus a fait du mieux que possible pour réadapter le plus fidèlement possible son bruitage. Et on aura avec ce qu'on a avec grâce au chipset audio de la Mega Drive. Oui, j'ai une bouchée. Hein. Ensuite, au niveau de sa durée de vie. Alors, au niveau de sa durée de vie, qu'est-ce que l'on a exactement? Eh bien, au niveau de sa durée de vie, nous avons à peu près que 9 combats à faire en tout. 9 pour une partie avec un seul personnage. Quand je dis 9 combats, c'est affronter tous les personnages déjà disponibles, que ça soit... que ça soit par rapport aux autres adversaires, et on va affronter aussi un double de nous-mêmes. Par exemple, Saizo Hattori, ben lui, tôt ou tard, je serai obligé de l'affronter tôt ou tard. Hein. Donc déjà, les 8 personnages jouables à affronter, avant d'aller se battre directement contre le boss final, Otane, Ume, Goketsuji ou Otane, puisque je crois que c'était Otane, celle que je viens de battre. Bref. Donc au niveau de la durée de vie, pour une partie normale, si vous jouez en mode difficulté normale, vous avez à peu près, vous mettez à peu près moins d'une demi-heure. Hein. Mais après, une fois que vous avez toujours un mode entraînement, vous avez deux modes de jeu, donc un mode de joueur, un mode par équipe, un mode karaoké. Donc voilà, la durée de vie par rapport au soft peut se rallonger par rapport au joueur lui-même. Hein. Allez, fous-moi la paix, toi, le moine Shaolin, et c'est bon. Donc voilà, au niveau de la durée de vie, vous voyez que je l'avais dit, comptez une demi-heure pour une partie normale. La durée de vie du soft du titre en lui-même est rallongée, voilà, c'est ça que je cherchais. Un peu plus rallongé pour pouvoir après pouvoir pleinement profiter du jeu, que ça soit par rapport au mode entraînement, que ça soit par rapport au mode par équipe, affronter un autre joueur. Non, franchement, le jeu peut durer assez longtemps, hein. Après c'est... Le jeu peut durer le titre peut une durée de vie un peu plus conséquente. Mais bon, après ça dépendra vraiment des joueurs en eux-mêmes. Hein. S'ils ont envie de faire chaque fois le mode histoire avec tous les personnages, après ça dépend. Hein. Donc voilà, voilà, voilà. Ouais, j'avoue que là, pour ce jeu et pour le test en question, même si je vous ai pas beaucoup fait apparaître les miss, j'étais quand même assez motivé. Hein. Alors, résultat, quelle note vous allez pouvoir donner à Power Instinct sorti sur Mega Drive en 1994, hein, sorti uniquement sur Mega Drive. Hein. Donc, quelle note vous allez pouvoir lui donner à ce jeu, sachant qu'il a du potentiel, hein, les personnages répondent correctement, le gameplay est celui de à peu près la même Street Fighter, l'univers est quand même assez diversifié, donc on a une petite note d'humour par rapport aux différents personnages. Qu'est-ce que l'on a d'autre aussi? Bon, là, que j'avais signalé, les personnages répondent correctement, les coups spéciaux sont faciles à sortir, plusieurs modes de jeu disponibles, voilà. À part que, mis à part plus gros point faible de ce titre, c'est le fait qu'il ne soit jamais sorti en dehors du Japon pour la version Mega Drive. Alors pourquoi le jeu serait sorti en dehors du Japon pour la version Super Nintendo et non pas pour la version Sega? Bonne question. Peut-être pour une question de contrat, hein, on n'en sait rien. On ne sait pas trop pourquoi, et c'est vrai que c'est assez dommage dans l'ensemble. Donc, quelle note vous lui donnez au fait à Power Instinct, les filles?
17 sur 20, c'est d'accord. Donc 17 sur 20, c'est note qui a été donnée à Power Insta sorti sur Mega Drive en 1994. Et de ce fait, les Miss et moi, on vous dit à très bientôt pour un nouveau test Sega. Allez, salut !